contexte où on voit bien tout le monde est en difficulté liée au prix, pas seulement sur les carburants, donc les entreprises qui disent que c'est difficile pour eux, les salariés et citoyens qui disent que les prix augmentent, c'est difficile pour eux. Moi, j'aimerais aussi faire un focus sur les acteurs économiques de ce secteur, c'est-à-dire concrètement les pétroliers et les gérants de stations-service qui, leur marge ne bouge pas, quelle que soit la situation. Dans un contexte comme ça, leurs marges n'ont pas augmenté puisque c'est une valeur qui ne change pas. 9 centimes par litre pour les pétroliers, 12 centimes pour les gérants des stations-service. Mais dans ce contexte où tout le monde est en difficulté, on a quand même là des acteurs économiques qui finalement, voilà, c'est pas mieux, c'est pas moins, mais eux, ils traversent, c'est normal puisque on est dans un secteur réglementé. Donc, mais tout de même, la question peut se poser quand même que dans un contexte où les difficultés sont, on va dire, un petit peu généralisées pour les uns et les autres, voilà, on peut s'interroger sur ces acteurs qui, eux, ne sont pas impactés ni de près ni de loin, alors que tout le monde subisse de manière négative l'augmentation, l'explosion des carburants.